Alors, petite vidéo très simple pour vous montrer en démonstration ce que ça peut donner les modèles Roland, les modules TR909 qui est l'émulation de la 909 d'origine et TR08 qui est l'émulation de la 808 qu'on retrouve dans toutes les productions actuelles, émulation de la machine qui a un peu révolutionné la musique électronique. À mon sens, c'est des meilleures émulations qui existent, hein. Après c'est très personnel, je vous laisse dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve que ces modèles-là sonnent un peu plus analogiques que les modèles TR-808S, par exemple, de chez Roland, qui sonnent beaucoup plus numériques, avec un son beaucoup plus plat, avec moins de personnalité, à mon sens, bien évidemment. Donc c'est des combos vraiment parfaits. Le 909 va sonner un peu plus organique, plus proche d'une batterie classique. On retrouve beaucoup dans l'hip-hop. Et le 808 qui est voilà, le son avec un kick très basseux, avec énormément de basse, qui peut aller avec un petit peu de basse jusqu'à énormément de saturation pour des sons un peu plus déstructurés. Donc je vais vous faire écouter les uns après les autres. On va commencer par le 909 et ensuite on va écouter les deux ensemble. Donc, c'est parti. Alors, le 909 pour commencer. Voilà, vous entendez le clap qui est très, ce snare qui est très, très clinquant. Et le pied. Moi, je trouve ça très cool, c'est très groovy, moi je trouve le 909, ça fait une bonne base, une bonne assise. On va écouter maintenant uniquement l'808, qui a son très spécifique. Alors le pied, attention les oreilles. Voilà, je suis au 3 quarts, je pousse pas à fond, vraiment ça va saturer pour la vidéo. On peut avoir un réglage de la couleur. Genre de tune et indiqué plus ou moins tenu. Très court. Voyez la basse qui ronronne et qui reste. C'est très bien, je vais vous faire écouter les deux ensemble maintenant. Et le pied qui ressort. On va rentrer progressivement avec la basse. Là actuellement on joue à 100, on va augmenter tout ça.
en solo, 808. Ah pardon, j'étais pas sur le bon. Voilà, on se retrouve avec une rythmique très hip-hop. Avec un certain médium dans le pied. Et son clap si spécifique, encore une fois. Donc voilà, c'était une petite démo vraiment très simple. Voilà, toutes les machines sont synchronisées en MIDI. Pour ma part, j'envoie également dans 3 machines Electron. Vous pouvez pas voir sur la vidéo, je vous ferai d'autres vidéos plus complètes avec l'ensemble du setup. Mais ça vous donne une idée, voilà, de la couleur des sons. Je suis pas certain que ça rende extrêmement bien sur la vidéo, mais je vais faire en sorte de faire un petit master sur l'ensemble si j'ai pas poussé trop fort au niveau des basses pour refaire sortir un peu plus le caractère des deux machines. Donc c'est des machines qui coûtent pas très cher d'occasion. Je vous conseille de les acheter d'occasion, ça sert à rien de les acheter neuves. Je me suis aperçu que la 909 était en ce moment indisponible sur le neuf, donc ruez-vous sur l'occasion, c'est des petites bécanes. Avec ce petit support là qui coûte pas très cher non plus, de la marque dont j'ai oublié le nom, ça rend plutôt bien et ça prend assez peu de place contrairement aux grosses machines initiales dans son setup studio. Donc voilà, je vous conseille de vous orienter sur ces petits modules qui sont très sympas. Vous pouvez les doubler également avec 2 autres modules instruments pour avoir la basse acide et un autre élément un peu plus mélodique. Et avec ces 4 éléments, on peut vraiment faire un truc très sympa. Couplé avec un Electron Drive par exemple, on peut faire vraiment des trucs cool. Vous savez, c'est le petit module qui permet de rajouter de la distorsion. Je crois que c'est le modèle Drive qui est assez sympa avec son cutoff, avec beaucoup de saturation pour refaire sortir ces deux machines. Moi je pense que je vais compléter avec un analog drive bientôt et ça peut être vraiment un combo ultime. Donc pour la musique électronique, pour le hip hop, pour même pour la pop hein, un peu plus synthétique ou plein d'autres musiques, c'est vraiment 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 très très sympa. Avec 500 €, vous avez un combo qui ma foi va vraiment porter vers le haut vos productions. Après, tout est une question de mixage, encore une fois. Donc c'est le mix qui va faire la différence au niveau de vos prods. Et pour ça, il y a les formations. Je vais vous mettre un petit lien en dessous sur ma formation sur le mixage audio. Voilà, qui est vraiment très complète, qui va vous permettre de faire passer un palier pour obtenir une musique plus professionnelle.